du foot plein les oreilles. 11h02 sur la chaîne 3. Madame, messieurs, merci d'être avec nous en direct, de nous faire confiance et de votre fidélité. Aujourd'hui, je donnerai pas le sommaire parce que, obligation, le dossier USMA d'Alger sera la une de ce football magazine. La CAF, je le rappelle, qui, encore une fois, a montré son parti pris à travers sa commission de compétition en donnant match perdu à l'USMA d'Alger avec un match retour qui est prévu dimanche. Ils sont en visioconférence et je leur dis merci d'avance. Les dirigeants de l'USMA d'Alger avec nous, monsieur Reda Abdouche. Monsieur Reda Abdouche, bonjour. Bonjour, maman. Je sais que vous êtes en visioconférence. Merci encore une fois. Alors, première question, vous confirmez que l'équipe a quitté aujourd'hui Alger, destination le Maroc? Oui, cet après-midi à 15h30. Cet après-midi à 15h30. Premier commentaire sur la décision de la CAF. Qu'est-ce que vous dites? Oui. Ben, c'est une décision qui est anti-réglementaire. Pourquoi? Parce que la décision parle d'un forfait, alors que notre équipe était présente. S'il y a un forfait à appliquer, c'est bien à l'équipe adverse, d'abord. Donc, sur le plan réglementaire, il n'y a pas eu de forfait de l'équipe. Il y a eu une amende, un forfait, et puis déclaré que nous sommes... que s'il y avait véritablement un forfait qu'on avait appliqué la réglementation, notre équipe aurait été disqualifiée pour le match retour. Donc là, c'est une sanction qui a été prise par une commission qui a outrepassé ses prérogatives, parce que la sanction doit être de l'ordre soit d'une commission de discipline ou une commission de recours, d'appel, ce qui n'est pas le cas. Ils n'avaient pas à prendre cette décision, ils ont outrepassé leurs prérogatives. Ils ont donc déclaré un forfait alors que nous étions présents. Nous contestons fortement tout cela, évidemment, et nous sommes en vidéoconférence pour leur expliquer tout ça avec une équipe d'avocats qui est avec nous et que nous remercions par la même occasion. Voilà. Juste également pour rappel pour nos auditeurs, pour les supporters de l'USMA d'Alger, il est très clair qu'au niveau de la FIFA, des différents articles, on ne va pas tous les citer, pas de message politique sur les maillots. Exactement. Exactement, mais ça, vous savez, on a dépassé ce stade parce que vous avez une commission qui a homologué donc ce drapeau et illégalement, en violation de la réglementation internationale, non seulement de la réglementation de la FIFA, mais aussi celle du Comité international olympique. C'est une forte immixtion de la politique dans le sport, ce qui est formellement, il y a une dernière réunion qui s'est passé, donc qui a eu lieu le 19 mars 2024 au niveau des Nations Unies pour conforter la position du Comité Olympique International et qui intègre la non-immixtion du politique dans le sport. Vous savez, donc, ça fait une semaine que ça s'est passé au niveau des Nations Unies. Donc sur le plan réglementaire, international, que ce soit dans le football, que ce soit sur le plan politique au niveau des Nations Unies, la réglementation est avec nous. Monsieur Reda Abdouche, ça sera ma dernière question, après on vous libérera. Peu importe le résultat, l'essentiel c'est de rester droit dans ses bottes et de défendre un idéal. Vous savez, des convictions. Vous savez, nous on est d'une génération issue, si vous voulez, des gens qui ont participé à la guerre de libération. Nous sommes là, nous avons des principes, notre pays a des principes et nous sommes fidèles à ces principes. Je reviens un petit peu pour parler d'un autre problème, de ce qu'avait dit Hawali Boumeddin Allah yarhamou, cette jamhouria, ahna ma'a Palestine, dalma ou la madlouma. Et ben c'est clair, c'est une position de principe et tous les Algériens, je pense que tous les Algériens sont d'accord avec ces principes. Andina nif ou... Alors, je vous dis juste, je fais sûrement, l'équipe du Marzen va tout faire pour faire de la provocation. Ils vont rentrer avec le maillot. S'ils rentrent bien avec le maillot, l'USMA d'Alger sort du terrain? Tout à fait, bien sûr. Ça, c'est réglé comme du papier à musique, ça c'est clair. Ça, je c'est sais clair. Que c'est réglé, mais je voulais avoir la oh. réponse non, c'est officielle réglé. Du club. Bien sûr, bien sûr. Donc, ils se présentent, les joueurs quittent le terrain. Sinon, ça n'aurait pas de sens. Voilà. Sinon, tout ce que nous avons fait jusqu'à présent n'aurait pas de sens. J'ai dit, on est fidèle à nos principes et on sera fidèle à nos principes jusqu'au bout. Et je vais vous dire, hein, on discutait... Quel qu'en soit le prix à payer. Quel qu'en soit le prix à payer, ça je suis entièrement d'accord avec vous. Et je vais vous dire, un journaliste au service des sports me disait, eh bien, à partir de l'année prochaine, parce que c'est un problème s'il n'est pas réglé par la Confédération africaine de football, qui va se reposer pour les clubs algériens, il y a eu le cas en handball, eh bien, pour l'Algérie également, de mettre une carte de l'Afrique avec le Sahara occidental indépendant. Bien sûr. Vous savez, je vais vous citer un autre cas qui était dans l'autre sens. C'était la participation de la JSK
à la finale contre l'équipe du Raja de Casablanca. Ils avaient une tenue où il y avait, et c'est écrit en tamazight. Langue nationale. Tamazight, c'est une langue officielle chez nous. Il y a l'arabe et il y a le tamazight. Officiel. Ils ont refusé de jouer parce qu'ils pensaient que bon, c'était un slogan politique et qu'il ne fallait pas. Donc, ce qui est valable pour eux n'est pas valable pour nous. Vous imaginez ? Vous imaginez ? Tout à fait. Vous imaginez qu'on déclare une équipe qui est présente sur le stade, on la déclare forfait. Est-ce que vous imaginez ça ? Mais moi, je pense que c'est de la folie. On c'est est du, c'est, mais la mainmise de l'Arja sur la CAF ? Oui. C'est une confédération qui est aux ordres et voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Moi, je pense que... Une révolution de palais au niveau de la CAF pour la prochaine assemblée. J'espère, malgré qu'on est en position d'infériorité parce qu'on n'est pas très fort à l'intérieur de la CAF. Ah oui, on est pratiquement inexistant à ce niveau. Je l'ai dit, je ne sais pas si vous serez d'accord avec nous, que des fois, eh bien nous, on a tendance à se tirer une balle dans le pied. Je me rappelle qu'à l'époque, Mohamed Al-Warawa était candidat pour un nouveau mandat et c'est à partir d'Alger que la campagne a été menée contre lui. Et également, des fois, alors qu'il était à l'exécutif. Au lieu de consolider un Algérien, nous, on fait tout le contraire. Malheureusement. C'est exact. Ça, c'est les faits. Et les faits sont têtus. C'est exact, je suis d'accord avec vous. J'en ai fait les frais, moi aussi, quand j'étais à la Fédération et que j'étais formateur des secrétaires généraux en administration. Et je l'ai payé aussi quand j'ai quitté la Fédération. Et on a cédé. Et la place a été prise par le représentant du Marzen. Et la suite, vous la connaissez aujourd'hui avec une mainmise, hein, il faut le dire, à travers les... Et les décisions sont là pour conforter ce qu'on dit. Tout ce qui s'est passé. Vous imaginez, c'est pas la première. Vous avez parlé de l'histoire de la JSK, la finale de la JSK contre le Raja de Casablanca. Mais je pourrais continuer également le futsal, où au dernier moment, on a une ville du territoire occupé. Rappelez-vous, je pourrais continuer également avec la Coupe d'Afrique en handball, où on sort une ville du territoire occupé également pour mettre les Algériens devant le fait accompli, mais l'Algérie ne cédera pas sur ces questions-là. Oui. Eh bien, c'est des positions de principe. Je dis, on est tous d'accord pour ça, de toute façon. Vous avez le soutien de toute l'Algérie. Tout le monde est derrière vous. Et ça, c'est... Et attendez, vous l'avez lu à travers les différents communiqués sortis des clubs, de la Ligue, et vous avez vu également le public présent. Ils sont venus de tous les clubs vous soutenir. Exact. Voilà. Exact. Ça, c'est une image forte également. Et je tiens à dire que sur le plan juridique aussi, nous avons eu l'entière assistance de la Fédération de football et de la Ligue professionnelle aussi. Très bien. Et la visioconférence, juste pour les auditeurs qui n'étaient pas avec nous, vous êtes en visioconférence au moment où je vous parlais encore une fois. Encore, là j'ai laissé les deux juristes parler. Alors, visioconférence avec les représentants de la CAF, bien évidemment. Les représentants de la CAF et les représentants de la partie adverse aussi. Oui, tout à fait, voilà. Donc, vous êtes en visioconférence, vous allez faire appel. Et la suite, c'est quoi la suite ? La suite, il y a des actions qui sont menées ailleurs. On ne va pas en parler maintenant parce que, comme on dit, un entraîneur de football ne dévoile jamais sa tactique avant le match. Très bien. Disons, en gros, ça sera commission de recours, tribunal arbitral des sports de Lausanne ? Tout à fait. Et puis d'autres instances aussi qui doivent être informées et qui vont faire un petit peu de... Parce que dans le même temps, la CAF... Et affilié à la Fédération Internationale de Football. Oui. Et les règlements de la Fédération Internationale de Football doivent être appliqués sur tous les continents. Bien sûr, ils imposent toutes les compétitions. Aux confédérations le respect de la réglementation internationale. Et donc à partir de là, bien, merci de le rappeler, parce que la FIFA également interdit. Quand vous regardez le règlement au niveau de la FIFA, c'est très clair. Il y a une carte géographique qui est déposée sur le maillot avec une grande là-dessus. Un territoire qui est annexé, qui ne leur appartient pas. Voilà. Tout à fait. Une croix. Et d'ailleurs, il a écrit, représenter le visage ou l'identité d'une personne, la forme d'un pays ou d'un territoire où on donnait l'impression, sont interdits. Voilà, c'est très clair. On le rappelle. Merci Reda Abdouche. C'est moi qui vous dis, et toute l'équipe de la chaîne 3, on vous dit merci à l'USMA d'Alger. Merci beaucoup de nous avoir accordé 10 minutes. Hein, j'ai dit 5, mais un peu plus de 10 minutes. Alors, je ne sais pas si l'avocat, ou le chargé du juridique, monsieur Yahi Mehdi, est avec nous. On fait une nouvelle tentative. Peut-être quand, parce qu'il est avec Abdouche en visioconférence. Très bien, on va essayer de l'avoir durant cette visioconférence. Au moment où je vous parle, ils sont en visioconférence, les avocats de l'USMA d'Alger, la partie adverse, c'est bien évidemment l'équipe de Berkane, et les représentants de la commission de la Confédération africaine de football, avec
Également des juridiques, des Algériens en Espagne. Donc c'est tout un panel de personnes qui sont là pour accompagner l'USMA d'Alger. Vous l'avez entendu, assistance de la Fédération Algérienne de Football, de la Ligue Professionnelle de Football, également pour défendre l'USMA d'Alger, qui se déplace aujourd'hui, 15h30, direction le Maroc, en passant par la Tunisie, pour jouer ce match retour face à l'équipe de Berkane. Et vous l'avez entendu, si une nouvelle fois l'équipe adverse rentre avec un maillot, avec la carte, avec les territoires occupé, l'USMA d'Alger ne disputera pas cette rencontre, et c'est vrai, et cela va de soi, pour ainsi dire. Alors, vous l'avez dit au tout début de la mission, on aura avec nous un Mehdi Yahi, qui est instructeur sur les questions juridiques au niveau de la Fédération Internationale de Football. Mehdi Yahi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct. Alors, la visioconférence est terminée. Alors, quels sont les arguments qui ont été avancés, justement, ou sur quoi l'USMA d'Alger doit s'appuyer pour défendre son dossier? En tout cas, cette scène théâtrale Mammar a été sans effet surprise. Pour nous, en tant qu'experts ou pour le club en général, la décision donc, a été notifiée sur un forfait du club de l'USMA 3-0 qui n'est pas donc réglementé sur le règlement de cette commission d'organisation et du règlement spécifique de l'organisation de la Coupe des Confédérations de la CAF. On s'interroge aussi sur le fait que toutes les procédures ont été établies avant le match, donc il y avait donc la présence des équipes 1h30 avant le match. La vérification des identités des joueurs des deux équipes a été établie. Parfait surprise, donc on s'attendait quand même que l'équipe de Berkane, malgré la disponibilité des jeux d'équipement, on signale que l'USMA a préparé 3 jeux d'équipement pour le RS Berkane, et a connu le refus. On s'interroge aujourd'hui que le club qui refuse de participer au jeu donc se retrouve gagnant 3-0, et le club qui a fait toutes les démarches nécessaires se retrouve perdant 3-0. Donc aujourd'hui, on s'est prononcé déjà que donc la neutralité de la CAF est à... On l'a vu, on le sait. Aujourd'hui, moi, la question, c'est sur quoi l'USMA d'Alger va utiliser les arguments suivants, c'est-à-dire ce qui est décidé, par exemple, par la FIFA, le règlement FIFA, ce qui est décidé au niveau des instances internationales, par exemple, sur l'organisation des Nations Unies, la non-utilisation des messages politiques. Donc, sur quoi, d'afficher comme ça sur une question qui est en traitement au niveau des Nations Unies et de facto faire en sorte que cela devienne, alors que les Sahraouis demandent l'autodétermination, leur indépendance, et on voit que les Marocains font tout autre chose. Quels vont être les arguments? C'est ça la question. Sur quoi repose la défense de l'USMA d'Alger, au-delà de ce qui s'est passé sur le terrain? Non, Mammar, l'USMA d'Alger a élaboré donc une feuille de route pour le TAS. Donc il y a une stratégie. Il y a une feuille de route donc qui a été établie. Donc aujourd'hui, je peux pas me prononcer étant donné que c'est une stratégie qui doit rester confidentielle et qui doit peser le jour J de la sentence. Mais chose est sûre, c'est que en matière d'appel au niveau de la commission de recours était donc sur la forme procédurale obligatoire afin de pouvoir rejoindre le TAS de Lausanne, étant donné qu'on doit consommer tout droit au cours interne en matière de réclamation. Aussi, on peut se prononcer aujourd'hui que déjà il y a un point d'interrogation sur cette confédération africaine de football en matière de délivrance de décision. C'est que un forfait prononcé qui est d'ordre disciplinaire par la commission d'organisation de compétition qui n'est pas habilitée ni compétente à délivrer ce genre de décision et de mesures disciplinaires. Donc aujourd'hui, Mammar, l'USMA est en train de monter son dossier pour le TAS de Lausanne. Eh bien, merci, on l'a très bien compris. Voilà, donc vous dites, le puzzle est en train de se constituer, de récolter les pièces pour aller à Lausanne au tribunal arbitral des sports. Merci encore une fois, Mehdi Yahi, d'avoir été avec nous en direct. Donc, je le rappelle, vous étiez en visioconférence avec les dirigeants de l'USMA d'Alger et la partie adverse et les membres de la Confédération africaine de football.